Bonjour les petits loups, voilà, aujourd'hui on va faire un tagine d'haricots verts. Donc on a mis de la viande avec de l'huile, j'ai oublié de vous filmer. Et là on va mettre, t'as mis combien d'oignons? Deux oignons, voilà. Pas finement, vous les coupez comme ça. Et là on tourne, on mélange. Et on va laisser frire, c'est ça? D'accord. Bonjour les petits loups, on va faire de la hala. Donc j'ai mis de la viande avec un oignon et de l'huile. Et là, je vais laisser bien mijoter. Et qu'est-ce qu'on met? Et là, je rajoute... C'est une tomate, ça? Une tomate moulinée. Deux tomates qu'on a moulinées. Voilà. Du sel. Après, c'est à vous de voir la quantité, parce que nous, on va en faire quand même une grande casserole. C'est à vous de voir... Moi, je vous donne la base et après, hein, c'est à vous de voir... Hein. Donc, et ça, c'est du gingembre. Et là, on va mettre du gingembre. Bon, on attend le gingembre. Hein. il veut pas venir. Voilà, une cuillère à café de gingembre. Curcuma. Attends. Et voilà. Et là, on mélange. Là, je vais laisser bouillir. Et je vais mettre un sachet de safran. Du safran que je mélange et on va mettre de la tomate concentrée. Tu vas mettre combien, une cuillère? On va mettre une cuillère à, pour l'instant on va mettre une cuillère à café et après on verra par la suite, parce que de toute façon on va rajouter de l'eau et après pour les épices et on va goûter. Et c'est pour ça, pour les épices après il faudra goûter pour voir s'il manque quelque chose ou pas. Pour ça, je vous dis qu'il faut toujours goûter, quoi. Et là, on rajoute de l'eau. On va mettre de l'eau. On va mettre au moins 1,5 litre d'eau. Donc voilà, là, on a mis tous les haricots verts. Avec la même sauce que tout à l'heure. T'as rajouté de l'eau ou pas? Non? On n'a pas rajouté de l'eau. Donc là, on va laisser cuire tranquillement les haricots verts. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu vas mettre des... Ah, on va mettre des olives vertes aussi. Voilà. Vous mettez des haricots verts avec des olives vertes. Voilà. Là, on mélange bien. Et là, on va fermer avec le couvert et on va laisser mijoter tout cela. Vas-y. Et goûtez toujours. Hein, si vous voulez mettre un petit peu plus de concentré, concentré de tomate, vous pouvez mettre une cuillère. Hein, si vous voulez qu'elle soit une demi-cuillère, si vous voulez qu'elle soit un peu rouge. Voilà. Là, on a préparé une bonne salade. Et là, on prépare des jolies fraises dans des petites coupoles. On leur enlève la peau. Et non, après, on enlève la queue. La queue. Pas la peau. Non mais là je fais une. Donc voilà. Ah oui, il faut qu'on prépare le pain, il est là. On va préparer. Bon là il nous reste juste à préparer les fruits. Encore des fruits. Voilà, la vinaigrette maison, moutarde, huile, sel, poivre, citron. Voilà, et là on pose. Je vais appeler Paris. Voilà. Ça, c'est une souris de chance. Non. Je connais pas les... T'inquiète pas. Voilà, là on a posé la viande. Et maintenant on va poser les haricots verts avec les olives par-dessus. Vous allez voir, ça va être super bon. Et voilà. Et je vous ferai montrer le résultat à la fin. Voilà mon beau tagine aux haricots verts et petits pois. Donc les petits loups, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, commenter, partager. Bye bye les petits loups. Bon appétit. Les fruits. Donc voilà, là on a préparé des gâteaux.
Voilà, avec un bon petit thé à la menthe. Donc les petits loups, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, commenter, partager.